Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Ce 10 juillet, Arthur de Villepin soufflait sa 36e bougie. À cette occasion, Gala FR a souhaité revenir sur son idylle avec l'actrice Anna Girardot, dont il a partagé la vie pendant 4 ans. En effet, entre 2015 et 2019, les deux tourtereaux ont filé le parfait amour. Une romance que le fils de Dominique de Villepin n'avait pas hésité à partager sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram officiel, le fils de l'ancien ministre postait régulièrement des photos de lui et de sa dulcinée, à la différence de cette dernière qui préférait rester discrète. Anna Girardot avait tout de même publié un message d'amour pour les 31 ans de son compagnon, l'homme le plus élégant et sexy. De Bali à Londres, en passant par la Thaïlande et l'Italie, le couple n'hésitait pas à partager son bonheur, jusqu'à sa séparation en 2019. En 2022, alors qu'elle faisait la promotion de son film, La Maison, Anna Girardot était rapidement revenue sur son histoire d'amour lors d'une interview accordée à Libération. Le quotidien avait notamment révélé que, échaudée par la couverture médiatique de sa rupture avec son ex-petit ami de l'époque, Arthur de Villepin, elle, aime, désormais, rester discrète sur sa vie privée. Depuis, l'actrice de 34 ans a retrouvé le bonheur dans les bras de son amour de jeunesse, Oscar Louveau. Je l'ai vu en train de fumer une cigarette, j'ai immédiatement changé mes vœux pour être dans le même lycée que lui, racontait-elle à nos confrères de Libération. Ensemble, ils ont accueilli un petit garçon prénommé Jazz en 2020. Arthur de Villepin toujours célibataire de son côté, le fils de Marie-Laure Le Gay et Dominique de Villepin continue de partager ses aventures avec ses 20,1 000 abonnés. Né à Washington D.C. le 10 juillet 1988, Arthur de Villepin est un homme d'affaires passionné d'art et notamment de peinture. Globetrotté, il a vécu aux États-Unis, en Inde où son père a été conseiller à l'ambassade de France de New Delhi, à Hong Kong, avant de revenir à Paris. C'est en 2010, que l'ex-compagnon d'Anna Girardot fonde sa toute première entreprise, Pont des Arts. Basée à Hong Kong, elle promeut les vins français à travers la peinture. Petite précision, aux dernières nouvelles, Arthur de Villepin n'aurait toujours pas trouvé l'amour de sa vie. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Dominique Jacovide.